Montreuil, Pennsylvanie, une ville paisible de 25 000 habitants. C'est dans ce building totalement simple qu'habite Christian Lopez, 28 ans, agent de maintenance. Il ne pensait pas ce jour-là, en se réveillant, qu'il allait vivre la journée de tous les excès. Monsieur Lopez est un homme tout à fait banal. Passionné de belles mécaniques et de filles relativement bonnes, il fait depuis de nombreuses années des compétitions de planche à voile. J'étais en vacances sur les plages du Wisconsin pour faire un peu de planche à voile. Là, il y a une vague énorme qui a cogné mes ailerons. Après, j'ai perdu connaissance pendant au moins 14 minutes. Après avoir repris connaissance, je nageais de toutes mes forces vers le bateau le plus proche, sur lequel se trouvait un hélicoptère, prêt à me ramener à la maison. Alors que Christian se croyait à l'abri de tout danger, un nouveau coup de théâtre se produit. Point. Je me croyais perdu pour la vie, quand soudain, les militaires sont arrivés avec un hélicoptère très très gros. Ils m'ont pris avec eux, mais c'est encore parti en vrille. Ricky Thompson, professeur au CNRS, a décidé de nous ouvrir les portes de son cabinet. Bonjour professeur. Bonjour. Allez-vous? Merci. Êtes-vous à l'aise? Merci. Afin de décrypter cette séquence extrêmement violente, avec son regard de professionnel. Donc voilà, on peut déjà bien voir les deux militaires à l'arrière de la back case, comme on appelle dans le milieu militaire, et l'hélicoptère qui va tourner finalement de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils perdent complètement le contrôle de l'appareil. Et là voilà, alors Christian qui est ici s'en prend plein la gueule, le con, il s'en prend plein la gueule, et un coup d'hélice dans la tête, pédé là, pédé. Après toutes ces péripéties, j'ai décidé d'attendre le train à la gare pour rentrer chez moi et en finir avec cette journée horrible. Kukak is minding his own business, but with little time to react, he's dragged below, his hard hat flying off his head. This is it, you know. Tu veux du café? Ah ouais, je veux bien, merci. Ah non, ça va. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu dragues une meuf sur la vaisselle? Bon, chacun son truc, hein, chacun son trip. Que font? Allez, vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, oh, c'est bon. Allez, vas-y, allez. Connard, putain, tu vas te calmer là. Bien fait ça.